d'essayer de les convaincre, mais aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Qui ne croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on tolère ces gens-là ou est-ce qu'on dit, ben voyons, la plupart des gens, parce que 80% des Québécois ont fait ce qu'il fallait faire, se sont fait vacciner, on veut revenir aux choses qu'on aime faire, et c'est pas ces gens-là qui vont nous bloquer maintenant.